Alors effectivement, on est sur un hébergeur de tiers 4, donc c'est pratiquement la plus haute accréditation dans le domaine, avec un certain nombre d'éléments, je dirais, intéressants. C'est notamment donc déjà cette sous-couche open source qui fait qu'on est totalement maître de ce qu'il y a sur les environnements. Et également, nous ne sommes pas obligés de fournir les données si on nous les demande, pardon. Donc ça, c'est un élément important, ce qui n'est pas le cas sur d'autres environnements. Mais je dirais que la particularité, mais je vais peut-être passer un peu la main à Yacine, c'est que on a souhaité donc vivement, et on le précise, on travaille depuis très très longtemps ensemble, on a souhaité vraiment faire appel à eux en tant qu'éditeur, au final, pour avoir une solution qui soit vraiment considérée totalement professionnelle. Donc cette partie de logiciel libre, effectivement, est d'open source. La partie Vaya dont parle Marc, et puis cette garantie en quelque sorte de Red Hat qui est derrière. Oui, tout à fait. Effectivement, nous, notre démarche, quand je parlais en introduction d'open source d'entreprise, nous, notre métier Red Hat, on est 100% open source, on n'a pas de propriété intellectuelle, on développe tout au sein des communautés open source, mais d'un projet communautaire, on fait un produit pour le monde de l'entreprise et pour répondre justement aux demandes et aux attentes des éditeurs tierces et de leurs clients d'un point de vue simplicité, sécurité, assurance, qualité. Et donc là, en tant qu'expert, puisque moi je suis responsable des ventes spécialisées chez Red Hat, on travaille main dans la main avec les équipes Vortex qui ont un très très haut niveau d'expertise sur nos solutions pour justement, et j'aime beaucoup la remarque parce que c'est quelque chose qui nous tient fortement à cœur, faire une vraie démonstration par la preuve des capacités justement de faire fonctionner la nouvelle version de SaaS Vaya sur une plateforme containerisée et d'en simplifier toute la gestion du cycle de vie, puisque c'est un axe très très fort de ce sur quoi on a travaillé ensemble.